Tozoyo kama gambuana ya kebango bazo somba kaka mapangu ba oya sombi mapangu na oya sombi ya minel. Mikolonios bazo boma batu. Mikodoro neti tozana mboka na bisote papa. So santa ya pasi ya maua. Egoisme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Voilà, mon collègue mon abino balandia émission devant les Congolais, émission de Betaka. Mingi mingi masolo na kati ya République démocratique du Congo bana Congo ndenge na ebisa kabino ke masolo ya ko beta na RDC za kabongo ebele chaque jour masolo za ko bota ma chaque jour makambo ya sike ko bima na République démocratique du Congo kasi motuna monene za la ka ya ko yeba est-ce que cela est pour l'avancement de la République, est-ce que cela fait avancer notre pays pendant que na mikili ya poto na ba mikili mususu pe Afrika awa les gens réfléchissent développement. Les gens réfléchissent comment est-ce que la République, comment est-ce que leur pays peuvent, comment leur pays doivent sortir de la pauvreté. Nous allons en parler, Bande Konanga, au cours de cette émission. Sujet Nabiso, Ndenge Boyebi, Yango, on a proposé à Rabino, Yango, toujours au début, pour être bon, qu'on a déjà qu'on somba unité, pour qu'on a déjà qu'on s'est préparé, parce que n'a tiqué la Rabino, pas espace, Yako Ben, Yako Lobaye, Biso, va tous aller dans le plateau, tous les Rabino, Maël était. Il y a des gens intelligents au bazar na banda ko pe balandaka. Voilà pourquoi nous vous faisons intervenir na émission na biso. De quoi est-ce que nous allons parler? Nous allons parler aujourd'hui de Bounagana. Plusieurs semaines après Bounagana toujours entre le mains des rebelles, bande konangai apparemment to komi ko bosa na Bounagana. Les rebelles ba fandi na Bounagana ba komi à l'aise, ba komi ko vivre na population. Population komi ko mesana na ba rebelles. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est fait le gouvernement au juste? Tokokendena mouvement okino wapi. Nous allons fêter comme ça, année au Siri Tokei 2023. Toujours na Bounagana occupé par des rebelles. Nous allons en parler au cours de cette émission. Nous allons aussi parler, bande konangai, na SMIG. Non-respect à SMIG. Salaire minimum. Oyo, l'État a fixé ça et te voilà chaque entreprise. Ils seront refoutés à Motomoke. Et Sengelo fouta à 5 dollars par jour. Pour un travail de 8 heures. Mais qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? Nous allons trouver bah, entreprise de Zarofuta Bato 50 dollars. Moutaouti Libanda, Chinois, Libanais. Aouti Libanda et Achepe entreprise naïve, Zarofuta Congolais 50 dollars. Nous allons en parler. Et parfois même, les autorités congolaises, Bazali Bongopé, na ba entreprise na bango surtout ya sécuritaire moko toza koyoka kuna pe mambo ko pe sala mamala mo penza te ba ko futa bato na CASMIG. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Où sont les inspecteurs ya travail? Nous allons en parler autour de ces plateaux avec des éminents analystes que j'ai ici. Le premier nous vient de l'Union Sacrée, il est communicateur de l'Union Sacrée, il s'appelle Maître Cédric Biengeli. Maître Cédric Mbotena. Mbotena. Santé Zali Malam. Très kitok. Comment avance l'Union Sacrée? L'Union Sacrée se porte très bien, très correcte, en bonne santé. Nous sommes toujours à la vision du chef de l'État, en train de réaliser ce qu'il avait promis aux Congolais lors de sa campagne électorale. Nous sommes maintenant dans la phase de la matérialisation de ces projets. Lorsque vous dites que l'Union Sacrée se porte bien, vous vous référez à quoi? L'unité de mesure, c'est quoi? Parce que la population ne sera pas d'accord peut-être avec vous. Bon, l'Union Sacrée se porte bien. Quand je parle de l'Union Sacrée, je vois vite les Congolais. Parce que l'Union Sacrée, c'est un échantillon qui représente les Congolais. Nous matérialisons ce que nous avions promis aux Congolais et que nous allons faire dans les pendant notre gestion. C'est ce que nous sommes en train de réaliser. C'est ce que les chefs de l'État avaient promis, la gratuité de l'enseignement. Nous sommes dans la phase de l'effectivité, la gratuité de la maternité. Et là, et puis, les chefs de l'État est en train de déployer des efforts pour améliorer les conditions socio-économiques des Congolais. Et puis, avec tous ces efforts qu'il est en train de conjuguer, raison pour laquelle je me dis que l'Union Sacrée se porte très bien. Donc, très bien. Très bien, Maître Cédric. Nous allons en parler au cours de cette émission. Vous aurez à nous prouver que l'Union Sacrée se porte bien et le pays aussi se porte bien. Alors, de l'autre côté de l'opposition, nous avons aussi les SID sur ces plateaux. Nani Toyambe Libino côté à SID et Zali Bongondeko Abed Mukumbi. Ndeko Abed Mbotinayo. Mbote. Santé Zali Malamo. Pour être franc, ça ne va pas bien.
Ça ne va pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment voulez-vous que j'aille bien aussi longtemps que nos frères dans la partie est de la République sont massacrés à tout moment? Les enfants ne retrouvent plus le chemin de l'école. Ça devrait nous interpeller, ça nous affecte, nous qui sommes les Congolais, nous qui sommes des vrais compatriotes. Et les CID, ça va? Oui, les CID se portent très bien. La Mouka? J'aimerais apporter une précision. Mm-hmm. Certainement, je suis membre des CID, mais présentement, je n'engage pas les CID parce que je n'ai pas reçu mandat de parler au nom des CID. Donc, mes analyses n'engageront que moi. Je parlerai à titre individuel. Donc, vous parlez à titre individuel, vous parlez en tant que Congolais, mais vous êtes membre de l'ECID. Si. Ça, on doit souligner. Ça, merci beaucoup. À ma gauche, j'ai aussi Maître Bosco Mutombo, qui est communicateur de l'Union Sacrée. Maître Bosco Modena. Isaac Mutombo. Le journaliste compétent, Andenge Obengisinga et na plateau na yo, balali boso pona zala awa. Merci. Nazane Sengo Makasi. Je suis Bosco Mutombo, l'homme de la vaccin juridique. Le vaccin juridique, aux yeux à moi, pour le retenir moi. Waleza théorie nangai, waleza théorie nangai, na memi le koyasika, na scène politique. Mais nous avons aussi un vaccin qui est un vaccin scientifique, le vaccin politico-juridique. Je suis aussi le président du conseil des sages à CCN, le collectif des communicateurs changement pour la nation. Je suis en passant à coordonnateur Nabiso, Pati Malanga, et le cadre Nabiso, c'est la partie ADC MOTB. Très bien, merci beaucoup. Le débat est lancé. Bounagana, plusieurs mois après, Bounagana toujours occupé. L'Union Sacrée se porte bien, le pays se porte bien. C'est ce que nous a dit Maître Cédric. Maître Cédric, comment expliquez-vous que Kinshasa silence radio pendant qu'une partie de la République démocratique du Congo est en souffrance et entre les mains des rebelles? Bon, messieurs les journalistes. On sera bilingue, hein? Français, okay. Lingala. Merci beaucoup. Donc, ce que l'on dit que Kinshasa est allé qu'au réjouir par rapport à la situation à l'est du pays, je m'inscris en faux, je me dis que ce sont peut-être les arguments. Il y a bateau basa animé dans mauvaise foi, ceux qui sont en train de détruire les pouvoirs en place par des arguments fallacieux, puis pour des raisons politiciennes, juste pour tromper l'opinion. Parce que vous savez, vous allez comment on attend un midi pour qu'on forme le gouvernement, vous allez qu'on mettre en place pour mettre la paix, pour restaurer la paix à l'est du pays. Parce que vous savez, l'est du pays constitue un segment pour la République démocratique du Congo. On ne peut pas parler de la RDC sans pourtant faire allusion à l'est du pays. C'est comme dans un fonctionnement et un corps humain, quand une partie du corps est malade, c'est tout le corps qui est affecté. Également pour la République démocratique du Congo. Vous voyez les efforts conjugués par le président de la République, comment il est de gauche à droite, comment il fait des mouvements. Certains qualifient ça pour étant Jusser, les autres pensent que c'est l'hélix. Par contre, l'avion, ce n'est pas l'hélix pour ceux qui voyagent. Mais quand le chef de l'État laisse sa famille juste pour aller négocier, c'est la prouve suffisante qu'il compatit avec nos frères de l'Est du pays. Nous aussi, au niveau, au niveau interne, nous déployons à tout moment, nous critiquons ce qui se passe là-bas et puis nous invitons même nos frères, ceux qui troublent l'ordre public, là, de revenir aux raisons. Mais dire qu'en tout cas, il y a un silence radio, là, vraiment, je ne suis pas d'accord. Mais attendez, c'est le discours de tout le monde quand on dit « Soki liboko ezalina moi pas si nzoto mobimbeza bo », c'est le discours de tout le monde. Mais à l'Union Sacrée, nous attendons des solutions. Quelle est la solution que vous amenez pour ce dossier de l'Est? On n'a pas besoin que l'Union Sacrée vienne nous dire « Voilà, nous sommes aussi en souffrance comme ceux qui sont de l'autre côté ». Bon, dire qu'il n'y a pas de solution, vous savez, quand on a décrété l'état d'urgence, c'était quoi? C'était pas une solution. C'était une solution. Peut-être dire que parmi des solutions que vous aviez juste mises en place, mettons aussi des mesures accompagnatrices, c'est-à-dire quoi? Des renforcer. Peut-être si ça n'a pas abouti, parce que dire que c'est un échec, c'est pas un échec. On a instauré l'état de siège. Quant au état de siège, la situation continue encore. Il faut encore mettre d'autres mécanismes pour mettre fin à ça. Est-ce que vous allez reconnaître que Bounagana Bazui est sous l'état de siège? Est-ce qu'il n'y a pas une faiblesse de ce côté-là? Il y a un état de siège. Mais Bounagana,
tant que état de siège est là qui était basé qui a monté, qu'est-ce qui fait que sous état de siège ne bounaga na ezwami pe ba rebelle ba fandi wana sous état de siège? Bon, monsieur le journaliste, vous devez quand même avoir cette honnêteté là de dire que dit que l'état de siège a échoué, c'est faux. Là, peut-être ce sont des arguments des gens animés de mauvaise foi. L'état de siège n'a pas échoué. Ce qui est plus important, c'est quoi, mon frère? Peut-être qu'il faut renforcer d'autres systèmes. Il faut peut-être les mécanismes qui ont été mis en place, si ça n'a pas atteint les résultats. Par exemple, je parle en termes des résultats. Je peux initier un projet où je n'ai pas atteint à 90%, mais même à 70%, j'ai atteint aussi un bon résultat. Également pour l'état de siège. Aujourd'hui, quand même, quand vous allez là-bas, les gens qui viennent là-bas, ils ont dit que sous l'état de siège, quand même, la situation était normalisée. Mais peut-être, il y a encore d'autres histoires. Il faut renforcer les systèmes, il faut outiller nos militaires. Il faut vraiment faire face à ça pour instaurer la paix réellement, comme voulu le Congolais. Très bien, je reviens à vous pour le même sujet. Abed, vous aussi, d'un côté à opposition, vous avez une responsabilité. Aujourd'hui, tout le monde parle des élections. Lorsqu'on entend Martin Fayoulou parler, il parle des élections. Mouzito parler, il parle d'autres choses. Mais le problème, il y a Bounagan apparemment, ça pour concerner Binoté Nangambo et opposition. Non, monsieur le journaliste, dire que le problème de Bounagan ne nous concerne pas, c'est faux et à chaque fois. C'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. Chez nous, à l'ECID, chaque mardi, nous tenons un point de presse où nous exposons, nous étalons, au vu de tout le monde, la situation qui ronge notre pays. Il s'y est de signaler, il faut le dire, parce que l'IDPS, voilà, fait de la guerre à l'Est de la République une affaire uniquement pour la population congolaise qui vit dans ces parties. Or, cette guerre devait nous affecter. C'est la guerre au Congo et non dans la partie de la République. Il a parlé de l'état de siège. Monsieur le journaliste, j'ai eu des larmes aux yeux. Depuis qu'on a eu à instaurer l'état de siège, nous sommes à plus de 15 000 morts. Plus de 15 000 morts. Et il y a chaque jour, chaque mois, des violations des droits fondamentaux, c'est-à-dire des libertés fondamentales. Donc, les gens vivent comme s'ils étaient dans une prison. Et heureusement, vous l'avez souligné, que Bounagan a été pris pendant l'état de siège et non avant l'état de siège. Raison pour laquelle nous, dans les CD, le président élu a demandé, a exigé à ce que l'état de siège soit levé le plus vite possible et qu'on puisse équiper. C'est ça la seule solution. La guerre à l'est de la République ou au Congo ne finira pas si nous sommes allés adhérer dans des organisations sous-régionales telles que SADC, voilà. Non, pas SADC, parce que la SADC a contribué au rétablissement de la paix dans notre pays à l'époque de Kabila. Mais ce qui est mal, nous déplorons, Félix Tshisekedi nous a amenés dans l'association ou dans l'organisation des pays de l'Afrique de l'Est. Pendant que dans ces structures-là, dans cette organisation-là, il y a des pays qui sont à la base des massacres, des tueries dans la partie est de notre pays, monsieur le journaliste. Vous ne le savez pas. Ils sont à la base. Le rapport mapping, tel que relayé ou encore soutenu par le docteur Denis Mukwege, dit clairement que c'est le Rwanda qui est à la base. Mais le fait de nous amener encore dans une structure ou dans une organisation où nous serons avec le pays de l'Est qui sont à la base de ces massacres, c'est une haute trahison. Moi, je le qualifie. Très bien. Je pense bien, et c'est un peu comme ça, parce que la population a été sur un appel pour l'émission de la bilingue. Tant que vous avez dit, Félix Tshisekedi a même dit, Félix Tshisekedi a saliboué. Donc, pour les idées, pour la bande de l'opposition, et c'est un peu comme ça, organisation sous-régionale. Non, je n'ai pas dit ça. Ne dénaturez pas mes propos. On a l'objeté. Il faut que l'organisation organisation y a un pays d'Afrique de l'Est. Pour nous, c'est tout ça. RDC, c'est en Afrique centrale. SADC, ça se comprend. CAC, ça se comprend. Mais au même niveau, c'est un pays d'Afrique de l'Est. Et puis, il y a un pays en haut, tout le monde en Rwanda, ou à la base, il y a un massacre. Ça, la Mankara, dans depuis des décennies. Armée burundaise, Burundais, Ougandais, à la base, il y a guerre à Kisangani. Mais c'est absurde, ça n'a pas de sens. Ça devrait nous interpeller.
Très bien. Très bien, Ndeko Abed. Nous avons un Ndeko, Maître Bosco. Maître Bosco, Nathan Odakoyoka, Ndeko Abed, Kolobayete, problème, il y a Est de la République, l'UDPS, Bino Bandeko, Union Sacrée. Bon, comme si on loko les Ali Kamwe, Talibongo, Bandeko, il y a Est, Talibino, na Kinshasa, te. Awa, il y a de fête. À Kinshasa, il y a la vie. On fait donc tout, Zakotambola, normalement. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ok, merci. Par rapport à la question, c'est une question qui me préoccupe beaucoup. Et ça, question, ça préoccupe ma makasi. Bissot n'a parti na Bissot, parce que moi, je suis cadre na parti à ADC. Je pense que tout n'ingaté ADC, c'est quoi? Nous allons y arriver. Ah, voilà. Même avant la fin. Et évidemment, ça n'a parti. Nous y a ADC, parti où y a une vision y a Sika, on a un développement intégral y a Mnamboka na Bissot. Oui, ça dit dirigé par Madame Adèle Kabena et aussi avec notre secrétaire général magnifique, Maître Eloi. Nous avons le souci à ce que Mbokana Biso ait soit développement et solo. Mbokana Biso ait soit kimia. Donc, pour que le développement pèse en Mbokana solo, il faut que kimia ait ça. Le problème, il y a Nagana. Situation on a ébani la fiche sécurité, ébani na régime actuel t. Et ça situation oyo régime actuel est beaucoup tant écouti bon monaki président Félix Tshisekedi à cela qui bavoie j'ai belé à cela bavoie j'ai belé a kei boye nyon soa na isaka kala kati ya diplomatie on a koluka ndenge nini kime okota mpanzi wana ya est ya république. Sûrement que Bandi le loté, attendez Bosco Mutombo, et Bandi le loté, mais moi tout le monde est allé à Polo, il y a ce que Bandi le loté. Bande Joseph Kabila Tango Akei, a tika kimboka, ou Bunaga, et Zagina Maboko, et Barebel, et Tango Zagor, la situation est Bandi le loté, c'est comme si situation est en moi, et Banda Kalabino, beaucoup de Bunaga, et Maboko, et Barebel. Non, il y a une chose, c'est ce que je suis en train de dire, que Makambo, tu es au SIA public, tu es au Mboka, on est à Bunagana. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un pouvoir actuel comme si nous avons la base de la Bible, la Pongi, la faible de la Congo, la Kayasso, tout ça. Parce que c'est ce que je voulais dire. C'est pourquoi je voulais dire maintenant que tout ce qui est Bongo, et ça, nous avons un thème qui est Bandi Kala. Tant Félix peut aller à sa diplomatie pour que Kimia et Kota Nakati et Amboko et Abiso, c'est tout dans l'Est de la République. Lui-même a dit que moi-même, je suis là pour même me sacrifier pour Nawana. Aye ko sala o ba benaka état de siège. État de siège ezali eloko wote par Félix Tshisekedi mais ezali constitutionnel. Yé en tant que garant de la constitution, il faut à respecter constitution wana. A telle la constitution que disposition wana yana ya état de siège ezan. Ba sala état de siège c'est pour na ke baluka ndenge nini ya ko luka ki mais ba mécanisme toujours besoin créer pour que kimia e kota no banjwa na est de la République. Tant ba tché. Soko otali na minute oyo. Ndenge bandaki ko boma batu tisikoyo o ya réduction ba groupe même ba groupe ba rebel wana o to bien bien ba terroriste il y a déjà diminution bo monaki awa na Kenya ba ke ko sala moi rencontre kuna ba bengisi ba tuna biso ba ocha ya ba bwa makele kuna pour que ba yo kana ba tika mandu parce que o chercher la paix on doit ko entamer ba voix nyonso que ça soit dans zélé ya kimia ya boyoka ya dialogue. Que ça soit Nanzila Mandouki, tout ça, tout pour salam. Très bien. Et aussi, nous sommes aussi, je peux vous dire, nous avons embarqué, nous avons embarqué, comme je disais, Azasima et Abadouana. Tout ce qui se passe dans l'Est de Mboka, comité international, Azan complice dans la ville de Mboka. Comment est-ce qu'aujourd'hui, là, tu dis quoi? Tu n'as jamais condamné Rwanda, que Rwanda n'a pas été Azasima et Abadouana à financer. Il faut soutenir, nous avons dit que c'est le Rwanda. Parce que c'est le Rwanda, parce que c'est le Rwanda. Na oni bango ba lobby clairement que non Rwanda de mutuaza simona siko ba ba bua ka kona nini ko ba comité nani ba occidentaux bazo ko premier secrétaire yake wana pourquoi ne pas dire clairement que c'est Rwanda qui est parce que si sur le plan international diplomatique international disons soka ba ba lobby que non c'est Rwanda normalement il faut Rwanda à subir ça. Merci beaucoup. Je vous dis seulement une chose. Il faut savoir que d'ici là peut-être avant tout aussi ça en est au yo, Bokoyoka et là Moussou sous la République,
par rapport à ba soda ou ya sous région ou une des connabis soit critiqué ba qui a est wana. Nous allons y arriver. La mambo ya ba soda wana tokobeta ya Kimé okota bunanga la sera libre. Très bien. Là, je vous dis. Tokobeta ya ngo tikana na zo ndeko Cédric, ndeko Cédric, vous ne cessez de répéter diplomatie agissante, il y a chef de l'État. Il y a la volonté pour mettre la paix. Mais comment voulez-vous, attendez, comment voulez-vous qu'il y ait une diplomatie agissante? Diplomatie agissante. Mais embargo na biso elongwete, baba kisi yango. Diplomatie agissante, nous déclarons clairement que la Rwanda a été agressée, biso Rwanda a été sanctionnée. Est-ce que vous pensez vraiment que cette diplomatie est en train d'agir? La diplomatie que vous vantez sur ces plateaux, tout est un peu solaire. Bon, vous savez, Ndeko, quand il y a des avancées significatives, il faut quand même applaudir. Vous savez, je pense que la mission de l'opposition, ce n'est pas seulement de critiquer la personne du chef de l'État, ce n'est pas seulement de fabriquer une maman à côté pour inciter la première dame de la République. L'opposition est là juste pour suggérer, donner des pistes et des solutions face à cette situation. Par exemple, nous, l'opposition de la République démocratique du Congo, face à la situation de l'Est, dans la proposition, est claire. L'opposition n'est pas là pour inciter le chef de l'État. L'opposition est là juste pour donner à deux pistes de solutions, être contre la gestion. S'ils trouvent qu'ils estiment que notre gestion a failli, c'est à eux aussi de nous proposer certaines pistes de solutions, puis nous allons l'appliquer pour l'intérêt général de notre pays. Par rapport à la diplomatie agissante, comme vous venez de dire, mon frère, vous voyez comment est-ce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, a dit devant ses homologues que la République Rwanda est derrière ce qui se passe à l'est du pays. Et puis la cité, il n'a pas peur. Quand le président Félix Tshisekedi, partout où il passe... Mais ces propos ne sont pas pris en compte, c'est ça le grand problème. Par rapport, vous devez comprendre dans une voie, il y a diplomatie, ce n'est pas des réponses tic au tac. Ce n'est pas des réponses automatiques, mon frère. Il y a quand même des procédures à suivre. Vous savez, nous devons obéir à ces normes. Vous savez, quand un pays adhère dans une organisation, nous perdons une partie de notre souveraineté. Nous allons se soumettre à la volonté de ceux que nous avions engagés comme plate de décision. Maintenant, vous savez, les chefs de l'État, Félix Antoine Tshilombo, au travers les gouvernements congolais, vous avez vu comment est-ce qu'ils sont en train de décrier ce qui se passe à l'est du pays. Et puis, on a même cité, quand les gens pensent que Félix Tshisekedi est derrière les Rwandais, c'est faux. Le président Tshisekedi, ce qu'il y a à comprendre, c'est quoi? Il a hérité les actifs et les passifs. Dire qu'on n'a pas de solution, c'est être naïf. Parce que quand on hérite une gestion, nous sommes censés de donner des solutions. Toke français makasi. Toke la solution na biso ya mwana ndeko na ngai. Président Antoine Tshilombo Tshisekedi, la situation de l'Est, c'est une situation où la kouti ya mo likolo ya mesa na ye. Exactement que situation de l'obaté, non, il a hérité un pays qui n'était pas en guerre sous Tshisekedi, maintenant le pays est maintenant en guerre. Non, là c'est faux, c'est la mauvaise foi. Mais quand il y a quand même des efforts, il faut qu'on applaudisse ya mo. Vous savez, les gouvernements congolais, au travers le ministre des Affaires étrangères, vous avez vu comment est-ce qu'il y a des pourparlers de gauche à droite, même par rapport à la situation qui se passe à Bunagana. Le président de la République, s'il a même dit que non, M23, il doit d'abord cesser de quitter d'abord les sols congolais. À la fin, maintenant, nous allons parler en famille. Mais si, par exemple, il était naïf, il allait s'adhérer dans la logique Nabango normale, comme par exemple Batonso Waza Kotarse. Mais vous avez vu comment est-ce que le président Félix Tshilombo Tshisekedi a dit clairement devant ces homologues. Merci beaucoup, Ndeko Cédric. Aujourd'hui, taxé Félix Tshisekedi était Yene Motoazali en collaboration à Rwanda, tout ça pour Makamé Zali, Motema Mabe. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a quand même diminué le nombre de groupes armés où les Zali qui est vrai dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mon cher, on a pour ça que c'est le cas. Dans le cas de l'intervention de la débatteur, on a mis balé. Dans le poteau de la Baka, une question mal comprise entraîne un échec total. Boutounye Moutouna, Yakoye, Basoki, Bunagana, et Zouami, vrai ou faux, ce que Zouami n'attend ou Tshisekedi, mais à l'objet que non, les gens attendent Kabila, non. Chose qui est faux. Faux et archi faux. Bunagana a été occupé sous le régime de Tshisekedi et pendant l'état de siège. Ça, il faut le souligner. Je n'ai pas dit ça.
je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai parlé, c'est comme le problème, il y a Est, et Bandi, l'autre D, et Bandi, qui s'est créé. Très bien, protégez-moi. Et Banda, Banda, Kalash. Très bien, très bien. C'est moi qui ai la parole. Avancez. Et puis, dire que c'est Félix Tshisekedi, voilà, épargné Tshisekedi, ou le mettre de côté de l'affaire, à l'affaire, si je peux le dire ainsi, de la guerre qui se vit depuis des décennies de la partie Est de la République, c'est inadmissible, c'est absurde, parce que c'est Tshisekedi qui a ramené le M23 ici au Congo. Comment ça, monsieur, vous n'avez pas suivi la déclaration du porte-parole du M23, il a dit clairement qu'ils ont signé des accords avec Félix Tshisekedi. Mais chose grave, Félix Tshisekedi n'a pas respecté ses accords. Est-ce que vous pensez vraiment, en tant que Congolais, vous devez croire aux propos du gouvernement congolais ou aux propos d'un rebelle qui vient de faire des histoires ? Non. Si c'était des choses fallacieuses, il a fallu que le gouvernement congolais puisse faire une déclaration dans laquelle il démentit cela. Chose qui n'a pas été faite. On comprend directement que c'est de la réalité. Il a vraiment signé des accords. Et il a parlé de la diplomatie agissante. Mais quel est le pays, quel est ce pays où Tshisekedi est allé? Et ce pays a ensuite, comment dirais-je, condamné la République. Soutenu la République ou condamné ouvertement le Rwanda. Non, la diplomatie de Tshisekedi n'a rien payé. Des millions de dollars ont été décaissés du trésor public pour ces voyages. Malheureusement, la population congolaise ou le peuple congolais en général n'a rien reçu. Et puis, j'aimerais un peu rétablir quelque chose. Vous savez, je comprends, c'est leur manière de faire les choses. Mon ami a dit, vous prenez une maman, vous fabriquez une maman. C'est une insulte. C'est une insulte grave à l'endroit de cette mère. C'est une maman. Nous lui devons beaucoup de respect. Ça, je condamne également ici présent les propos du chef de l'État qui a dit que Bozuka, moi, maman, là. Mon cher ami, si on prenait ta mère et on la traitait de cette manière, Kamwa maman, là, c'est quand même une mère, un minimum de respect. Et dire que non, voilà, cette maman est manipulée, non, ça c'est faux. Vous savez, les femmes congolaises. Mais nous avons vu cette maman faire des déclarations juste après le passage du secrétaire général de l'UCD chez elle. Oui, elle a été invitée au siège et elle a étalé les traitements, le mauvais traitement auquel elle a été victime pendant son incarcération. Les femmes congolaises ont des cerveaux pour réfléchir et émettre leurs avis par rapport à la situation socio-politique de notre pays. Tout comme votre femme, tout comme ma mère, tout comme la mère de mon co-débatteur, peut se réveiller un matin et dire que non, voilà, tel secteur, ça ne marche pas, tel secteur, ça ne marche pas. Et si elle tenait de tels propos, vous direz que non, voilà, elle a été manipulée. Non. Très bien. Je crois que je vais donner la parole à Maître Bosco pour réagir rapidement et nous allons passer à autre chose. On vous dit que la diplomatie n'a pas payé parce que Bounagana est occupé sous votre diplomatie, ce que vous appelez diplomatie. Aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui vous a soutenu pour la situation de l'Est et condamné clairement le Rwanda, bien que vous parlez de la diplomatie. Ok, je voulais aussi... Le micro. Oui, je voulais aussi éclaircir quelque chose par rapport à ça. La situation de Bounagana, je viens de vous dire ici qu'il y aura une solution d'ici là. Nos amis de l'opposition doivent s'apaiser quant à ça, qu'il y aura une solution. Lorsqu'ils disent que non, jusque-là, il n'y a rien, la diplomatie ne réussit pas, jusque-là, non, mais c'est faux. C'est faux. Je voulais dire ceci. L'ONU n'a jamais dénoncé que non, c'est le Rwanda qui soutient les milices de M23. Mais aujourd'hui, dans les rapports... Les terroristes, c'est comme on vient de dire là. Mais les lots, l'ONU, ce qu'on a dit par rapport à Bango, va dénoncer que non, Rwanda a soutenu les terroristes. Vous comprenez bien ça? Que Rwanda a soutenu les terroristes. Mais c'est à quoi? Parce que maintenant, Balobé a monté, mais aujourd'hui, Balobé Kiango, tu as vu même, tu as vu le secrétaire d'État américain, Aouteye Kozala, Awa, Tangwayewa, Aye toujours pour la Makambouya, Oyeze Kanamakambouya Est. Vous avez suivi vous-même, vous avez entendu ce qui s'était passé ici. Mais si on regarde le Bikeno, diplomatie, ils ont récité, mais je regrette. D'ailleurs, tu as vu aussi que notre ministre, il y a défense, Azra Kina. Na Rissi a participé à la conférence Oye Salamakikuna, il y a un pays ébélé.
tant à Kekuna. C'est toujours pour Nakoluka. Comment est-ce que Toki Kozoa solution à Estia Mboka? Jamais, au moins, il y a deux bazar à la base avec ma Cambodge, c'est l'opposition. Baza na discours ya mabe. De ce que tout le monde a payé Moussousou. Ce qui est bon, il y a agressé. Il n'y a jamais de problème avec lui qui Kinga est dans la base. Non. Ba pesa ka ba ide ni ni te ki ko apporter pour que ki me ko ta parce que situation o esa kuna ba to ba zo ku fa na mboka na yese na yese wana ba za seulement ba ya 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 opposition te ba za seulement ba to se civil te ba ba ta pouvoir te esa ba tu nyon so ba congolais d'où bwana ma yena bino mais vous voulez quoi vous voulez prendre makambo ya est wana pour discrédité, pouvoir en place, c'est-à-dire que Baza est incompétent, Baza va tout ça. Non, on ne marche pas comme ça. On est allé N, eux aussi, et ça m'exprime ma B au Bozana Yango. Vous avez conquérir le pouvoir en abus dans le dingue à ma B. Je voulais dire aux gens que non, aujourd'hui, bien sûr, Bounangana, et ça n'a pas beaucoup, il y a des terroristes, il y a M23, mais je vous dis que notre armée, à ce moment-là, il y a un fort nyonso pour que. Tout le moyen nini, donc il faut trouver solution. Très bien. Si vous voyez aujourd'hui, vous voulez lui éclaircir. Échiter rapidement. Armée Nabiso, à Bouagina nous attaquer. Parce qu'il faut tout entamer, bah, voir Moussousou, autre lui, comme on dit que non, il faut tout le canal en dénga ya paix. Bandekouana, bah, c'est des places, les nani places, Vazali, on a besoin de se présenter à Mabé Nabiso. Bazon a mis ka bazalaki, batika bunangana. Mais ce qui est bon, bah, s'entêter, que baboui, que dans la paix, baboui, nani, processus wana. On va aller na l'aspect où on a niveau où ils allaient voir y a armée. Pendant que vous avez la patience, on a basali qu'on exploite ma minerai na biso, basali qu'on soit taxe, basali qu'on soit monsolo et qu'on rende le sous sous plus fort pour n'avoir qu'on attaquer biso. Vous n'avez pas peur de ça? 30 secondes. Bah le baka, mon tour à Batami, allez qui on a maillé. Ne pensez pas que Bamiter Nabiso, soit président de la République, à l'aïe naïe Pongi, à la vie, non, mais non, ce n'est pas comme ça. D'ailleurs, la personne au Azali contre Bagansou Mboga s'est fait stéker. Même quand elle était en opposition, Abandé pour dénoncer de l'eau. Très bien. Même temps, en commissicoy, mais j'ai dit aux Congolais, soyez calmes. Tous à la yini, si ma ya ma pinga na biso, tous à la yini, na si ma ya mokozi na biso, le président de la République, tout trouver solution pour nous. Très bien, merci beaucoup. Nous, merci Bosco Mutombo. La partie, je vais vous donner une minute. Merci Bosco Mutombo. La partie na biso, ya ADC. Nous allons parler de ADC. Non, ne faites pas. J'essaie de votre souci, c'est de parler de ADC. Non, une idée. Je voulais seulement donner une idée par rapport à Nemba Olobela, patriotisme. On a Kouroba qui est patriote. Et un patriote doit faire quoi? Parce que moi, je suis patriote. Ne vous en faites pas, nous en parlerons. Et nous serons réellement patriotes avant la fin de cette émission. Ne vous en faites pas, Bosco Mutombo. Nous allons passer à notre deuxième sujet. Tous les gars, le sujet à Mibale. Je pense que tu trop français dans le sujet à Liboso. Sujet à Mibale. Donc, on est allé pendant le Congo, on est allé Bimba na Bango. Et tali kaka STT et tali mboka na mobimba nango bisonyo soto travayaka na ligito beta yango penza na lingala tozonga na lingala botika na ba français wana to ekola na kelasi to changu na mopanzi to lobela maye matali salaire ya ba congolais mosala nyonso zali ko mériter salaire soyi motoka yiko sala atana mobeko atana na makambo etali religion esengela zo salaire ya mosala na ye l'état congolais a fixa smig na biso na RDC na $5. Soki to calculer $5, nous allons faire un petit calcul rapidement. $5 pona juste 26 jours de travail et lobi ete moto esengeli afutama. Esengeli afutama soki moke ezala $130 par mois. Pona 6 jours de travail. Soit tu as 5 jours et tu as moqué. Mais tu as gagné à $100. Mais il y a des entreprises au Congo qui ont fait un bateau à $50. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je vais donner la parole et pas à Ndeko. Cédric, vous êtes maître au avocat. Vous avez dit comment est-ce que Makambouana est Tambolaka? Comment est-ce que respect à Mopeko est Zalaka? Qu'est-ce qui se passe? Vous nous dites que nous sommes dans un état de droit sous Félix Tshisekedi. SMIG non respecté. Merci beaucoup, Ndeko, journaliste. Vous savez, le travail, c'est un droit. Congolais, nous azali ko mérité Moussala. Ou Asali, il faut azali foutanaï. Parce que Moussala, ezali bongo yaba droit, ezali garanti na kibomoto. Yamoto, ou constitution azali ko consacré à moi. Que Congolais, nous
il faut à salapi à la fin du mois il faut à toucher salaire naé. Bon, tokei na pratique au golobi que simique et ali respecté té na ba opérateur économique ebélé yambo kanaviso. Bon, je crois que solution il y a ba problème wana si faudra prendre un point wana parce que ali point aux ali ko déranger biso nyonso parce que nous sommes en face des clients. Ce sont toujours des gens là où il y a Kalibosso na biso comme ba client et puis tous ba intérêt à ko défendre bango. Ce qui est que Bazali n'a pas revenu, mon quoi, et bien tes alipes quoi affecter Bissot. Donc, le coup, la Congolais, nous sommes normal, il faut que déplorer par rapport à la situation. Mais la situation, c'est quoi, nous avons la situation, c'est un angle, oui, un angle politique, et puis tout, même la dimension, mon quoi, tout, mais plutôt, il y a aussi certains acteurs politiques et belés sous régime, ou outils pour précéder Bissot. Parce que là, qui derrière Babilo Kona ou Babengi, bah, sous-traitance. Derrière les sous-traitances, il y a une société qui signe un contrat, par exemple, dans la société Moko X. Bamonde va commis qu'au foot à Batou, au lieu à foot à moto, par exemple, $200 et paye par individu $80. Parce que lui, il a des connivences, ou soit il est membre influent du système. Lui maintenant pour protéger aussi bah intérêt y a bah des konabiso bah indien bah libanais bah des konabiso bah chinois il commence maintenant à manipuler nos frères congolais. Donc ces gens ils allaient à régime passé ils allaient à régime oyo tant que vous allez koloba été bangonde vous allez simaya babilo koana et le biais était ils sont plus forts que le pouvoir de l'État que vous détenez. Donc, raison pour laquelle nabokambami y a moi namboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi je crois si vous avez suivi discours chef de l'État Salaki à Pekisa qui bilo kouana sous-traitance. Alors, qui est la pratique kouana et ça va pratiquement ma. Mais maintenant, tu as dit qu'on souffre une effectivité dans un mot. C'est-à-dire, l'organe que tu as dit censé, il y a qu'on vérifier réellement. Je crois par exemple, inspecteur du travail, il y a qu'on a comment la condition à des Konabiso, à Congolais, à Zali Kosala. Et c'est tout même chez les Chinois, chez les Indiens. Comment les Congolais sont manipulés? Comment les Congolais sont traités là-bas? Tout basali qu'on traite dans la condition infra-humain, aux alliés déplorables. Ces gens-là méritent quand un parent, nous sommes par exemple dans la rentrée scolaire, ceux qui par exemple vous offrent un moto $80, tout ce temps $, moto azali père des familles. Tu sais comment les conséquences, les alliés qu'on revenu dans la libotanae. Donc moi je crois que cette situation, il faut aussi maintenant nous, le pouvoir, mécanisme qu'on revoit et le kouana, qui est quand même un mécanisme encore sérieux. Et surtout l'inspection du travail. Il faut vraiment couvrir à certes, en sorte que bah Congolais n'y ont soit au bazar que ça là-bas mérité salaire n'ango n'a pas salaire n'abango. Les histoires de sous-traitance faut abolir avec ça. Ce sont des mauvaises pratiques. Oh, bisounyon sur le coup là-bas Congolais en tout cas to koki koti kate bande qu'on a vu soba souffrir une demoine. Parce que je vois des solutions plus les alliés copés ça après un temps vous verrez qu'il y a grand marché des autres alliés bah indiens bah magasins s'habiter pour la ligne bah ton bazar mal payé. Je crois que la parole du chef c'est la parole du évangile. Donc il faut quand même qu'il y ait quand même respect à Maloba au chef de l'État pour Meta Kibiso, bah veiller en sorte. Donc vous reconnaissez quand même qu'il n'y a pas à un certain niveau respect à propos à Félix Tshisekedi des alités na pouvoir na bino. Ça vous reconnaissez ça. Non, dit que respect à Maloba pas chef de l'État des alités là c'est faux. Là peut-être les ali bato azali baza kota mola na esprit à critique. Bato va ligner coupé sa solution tena makambweze le kamboka bala tisengo sur le dos de Félix Tshisekedi. Tout qu'est-ce que le chef d'État promis a réalisé à moté au cité linga moko. Très bien, nous allons y arriver tout de suite là. Cédric, maître Cédric, tous en de quoi bête dans l'opposition vous êtes singel kota la paix maima tali population vous parlez élection mais bah problème il y a population locale maima tali emploi maima tali bah condition na bango la misala bisika bazali ko sala apparemment est en ngobinoté. Cher ami Isaac, je m'irais un peu revenir en arrière. Rapidement, et vous balayez rapidement cette question. Moninga Nangai a rejeté faute. La opposition des Azali à la base, à l'oubliawa, la Congoman, la Ligolanda, Bissot, à l'oubliawa, non. Opposition des Azali à la base, non. Bissot, ça n'est pas proposition. Seule manière où tu n'as pas qu'il y a guerre ouana ou les Anambo, cannabis, et non, il faut le préciser. Isaac, il y a qu'on équipé. Lourdement FRDC. Il y a qu'on paye ça dans ma coquille. Salaire, il y a ma longue. On paye ça 80 000 francs, on paye ça 120 000 francs. Pendant que l'ennemi, il soutenir rien. L'ennemi, il y a un bon ennemi, il y a bien, mais il y a un affront. Et puis,
De nos photos, à la courage, nous devons avoir le courage de dire ouvertement que notre pays est balkanisé systématiquement. Parce que le professeur De Vos Kitoko a appris qu'il y a une école que souveraineté, il y a l'État, et ses airs sont dans le sol, dans le sous-sol. Ce qui est un individu, il s'accaparait dans le territoire, on a étendu, il y a un territoire congolais, c'est-à-dire que nous sommes balkanisés. C'est-à-dire que souveraineté, voilà, et comme il... Ça devient un petit voilà. État, quelque part. Voilà, il y a un État qui s'est créé. Et concernant, il y a Mambo, il y a mauvais paiement. Il y a mauvais dirigé la légèreté. Vous savez, l'État n'est pas monopole, il y a contrainte. Application, il y a loi, l'État n'est pas assez rakango. Ce que moi, il loi, il y a l'État, il y a de la loi, on voit l'application constante, tout le monde voilà. Ça genoux devant cette loi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, loi Wana, ils ont respecté. Et puis, l'État, il a fallu que Azoua, mesure draconienne. Vous savez, quand ici, dans la Kanisia, non, premier mandat à chef de l'État, ils ont le moins fait, ils ont le bruit, tâtonner. Non! On ne vient pas au pouvoir pour tâtonner. On vient au pouvoir avec un programme bien établi. Aussitôt que vous êtes là, vous les mettez en place et vous travaillez. Chose qui n'est pas... Donc, Makambo, on est dans Congo, il y a plusieurs secteurs. Il y a vie, sécuritaire, sociale. Et ça, c'est un tâtonnement, Makasi. C'est-à-dire que vous faites la continuité. Photos en courage à Kolobaki Bozo, ça la continuité. Joseph Kabila, pour si réellement vous étiez là pour les changements, Mamboué Ngessi là. Merci. Merci beaucoup, Abed. Je reviens à toi pour le même sujet. Le temps que nous avons peine de Bosco Mutombo, comment expliquez-vous que nous puissions causer la Kati à état de droit pendant que Bamoubeko nous a souffrir? Surtout, Bamoubeko est un avantage à la population. Bamoubeko est allé pour favoriser la population. Ils allaient comme ça la bien-être à la population. Ils ont souffrir. Comment voulez-vous que le Baye est allé dans la état de droit? Merci beaucoup, Ndeko, journaliste. Namoni batindelinga un message mi baléawa. Ezan de komoko docteur Marcel Chawanga atindelinga ya partir ya faites monter le micro. Oui, atindelinga un message à docteur Marcel Chawanga à partir ya Mikondo. Abi ba TV munene ba Hollande yo bana o selande sujet wana ya social. Balobi sala pe for un jour obetela ba retour kuna mona pe ndeni ba vivre kuna. Merci bande kwa Mikondo, je passe na monga fula et tous a pe na appariteur central. Oyo ya ICC don akam monsieur Justin aza pe journaliste comme yo. Alobi alinga ka pe mission na makasi tango epengle e bo wana aela ngo for me alobi wa osakana fati benza kuta nae. Merci. Avançons maintenant dans la matière. Je chemin de l'homme sain ayo banda ko fute bien te mais depuis fati a kota ba melora salaire nae. Allez du côté wa ça dit que pona ye place azali simige bana respecter. Donc pona bino ezali ka ba o ba zo avantage nde ba ko kumisa bino. Bon population na mobimba na ya. Eh, moni siko po mesa moni mboka na biso ba congolais to liki belé. Na minute ceux qui ba trancher situation ya moko. Parce que le Congo est qui chasse. Le Congo est partout, il est néné. Par rapport à la situation au Loba, il y a situation à Kala. Il y a une opposition. Mais il y a opposition. Il y a un pouvoir. Mais il y a un conquérir le pouvoir. Je n'ai jamais vu opposition à organiser marche. La marche pour la Makambo et la Simi qui est non respectée. Le Congo est un peu souffrir, il n'y a rien. Et ça a raté. Oh, tout ça la marche, l'IP Mati. Tout ça la marche pour ma facture à Snell. Et ça, ma casse, ma l'état, c'est là. Tout le monde a banoté. Bilo Kokoutou, oh, les alliés, population, c'est là, opposition, c'est la banoté. Mais ce qui est là, par exemple, de Gonanga Matin Fayoulou, a zéro qu'à pouvoir, pour la boy, a bimisi baron à Babalabal. Il faut tous changer quand même mentalité, tous ont quand même conscience à Sika. Tous ont moi vaccin moko boya yasika tous ont conscience en tant que nga en tant que congolais mboko e évoluer nani Félix c'est que dit moko ako
changer mboka oyo tete bien a ko sala oyo nyonso il faut kaka assumer ba responsabilité nyonso non il faut que biso na biso bisire biso tozali wana to soutenir mokonzi na biso na ba idée za na yango po bana bazo ya misala ba organiser pe ba condition de vie na oui les congolais peuvent soutenir ba ko ki ko soutenir kasi moto esengeli a appliquer mobeko a faire respecter mobeko ezali pouvoir ya na le biboy toza nan ba patriote congolais place yo vandi yo créer société na yo en tant que congolais tout le temps makamba expatrié yo osaka na bon nanani na bon nanda ofuta kaye combien yo créer société non si on crée comme activité ofuta ka combien ye moko président ya parti politique na ye matin fayo na ye sidé na hôtel na ye kuna combien bato bazana chom na bazana na ba paiement est-ce que attendez arrêtez si mig on va je te dis ceci. Avant que moi ici, non attendez, si vous voulez, non attendez, il n'y a pas de bêtises ici, ça va se respecter sur les plateaux. J'aimerais que vous puissiez élever les débats. Vous aurez à répondre, vous aurez à répondre dans la terre. L'opposition doit être modèle. Ça, c'est des attaques personnelles. L'opposition doit être modèle, par exemple, doit être modèle. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de. Moi, je vous dis, avant comme Awa, j'étais d'abord comme journaliste, dans un réalisateur, et bien, Michel a travaillé trop, je connais, dans ma position, je ne peux pas me mentir. Chez Fayoul, on a connu plusieurs fois. Ce que nous voyons, c'est que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit. Bino bo travaka na société moko boyi bo kanisi bo boni ke non ba respecta ka simik na bino te parce que eza droit na bino. Vous avez, il y a des voies légales que vous pouvez maintenant réclamer, revendiquer. Mais l'État aussi, Azali Penanzela, Azali n'a pas inspecteur, il y a travail. Moussala n'a pas Azali n'a pas foutu à la barre, mais il y a pas un bâtiment. Non, Moussala n'a pas intervention, ou bien Moussala n'a pas revendication, n'a pas Moussala n'a pas. Il faut revendiquer sur le plan politique, il faut revendiquer sur le plan administratif. Hein? Il faut revendiquer aussi le plan légal. C'est ce qu'on a de dire. Légalement, parce qu'ils ont droit. Tant qu'ils ont fait le bien, ils ont fait la plainte, ils ont saisi l'entreprise, et ils ont juge pour avec l'état des droits. Ils ont fait la plainte, mais l'état des droits, la justice, et défendre pour qu'on cause la bangote. Mais lorsque le Congolais va se sentir faible, nous avons retiré au Maloba. Va se sentir faible devant une justice parfois au côté la batoana parce que va dans mon sol. Et ça va na repeso na repeso na kisamoko. Aujourd'hui là, moi je connais mon tout bengana ke na musala. Mazane lo côté mon tabena ki asaki na mbong. Akeyi afundi comme maître à lobi awa. Akeyi pe inspection de travail ba convoquer Dieu ba ye, Dieu wana boyi. Ba sali PV ya no réconciliation. Batindi de dossier au niveau du tribunal du travail et moi la moi suwana a gagné qui procès naie malgré mbongo mais merci Bosco Mutombo. C'est que je veux vous dire ceci. Je voulais maintenant chiter pour dire ceci. En matière wana ya simik ezali juridique ezali mobeko ezali wana mobeko nde ba pesi et sengeli bandeko baza préjudicié ba sala nini ba porter société wana plainte ba tela soki ba kolandela ngote na interpeller pe ministre du travail. Il y a un ministre à travail, interprété un inspecteur à travail. Oh, bah, on sera un on président de la République. Le président de la République, il y a un inspecteur qui a été. Il y a un besoin de besoin. Tant que besoin de la société, il y a un corrompre, il y a un besoin de enveloppe. Il y a un sacrifié. Merci. Merci. Prenons un peu, maître Cédric. Parce qu'il y a un ministre qui a été. Merci. La faiblesse, il y a le ministère, il y a travail. Merci. Est-ce que tu as eu un peu de maître Cédric? Maître Cédric, est-ce que ba expatrié ba ko faire souffrir ba congolais ba dali ko zo exemple ya l'état congolais et mon côté parfois ba tout na ka bande ko na biso ba ko travailler bin kuna biso to bolbi na monito futa bino e belé l'état yé mo ka futa ka ba fonctionnaire combien bon ndeko journaliste. Je crois que les SIMIC sont légalisés. Ce n'est pas une invention. Il y a tout le monde qui est en train de se faire. Ils ont que l'État déjà à prévoir. Parce que la constitution est en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. C'est-à-dire qu'ils ont déjà été en train de se faire. L'État, ont été en train de se faire. Donc, pour un Congolais normal,
doit au moins toucher 150 dollars les mois, selon les, notre estimation. Oui. Donc, Nassé à 150, ils allaient déjà constituer une infraction. Donc, Motonion sont embauchés Moto. Kozalanda Kuno, aujourd'hui par exemple, moi, dans mon salaire, à Kendakoti Kaba, non, à Kelasi. Il faut foutre une à 150 dollars. Ce que tu as mon assez à 150, ils allaient déjà pour ça la violation. Maintenant, na kei na elo kondeko alobi à des fois c'est aussi moi naïveté ou soit passivité aussi na biso ba congolais, c'est-à-dire les gens ne dénoncent pas les infractions parce que vous savez ce qui bato bazali ko saisi inspection de travail ou engagé no pesanga musa et que vous allez ko respecter ni fouti na ngaité quand ba ben biso na inspection de travail en cas de non réconciliation on peut nous déférer devant le tribunal de travail pour que ba attendre biso. Si réellement, vous avez une raison, vous allez mettre un droit, comme dit notre frère. Maintenant, vous allez avoir une implication. Il y a un bateau, parce que vous savez, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est des changements et amélioration de vie. Il y a une population où vous allez défendre. Nabokambi, le président, moi, je suis Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je crois qu'il a mis d'abord l'homme au centre de tout. Quand on parle de peuple d'abord, dans le slogan, il y a famille politique au chef de l'État à Outaki. Donc, c'est-à-dire quoi? Au-delà des nions autoriques, on ne gère pas pour nos propres ventres, on ne gère pas pour l'amélioration des bactéries, mais on gère pour l'amélioration des cités. Il y a des gens qui ont subi la gestion. Je t'ai donné l'exemple. Si aujourd'hui, par exemple, un père de famille, il a un salaire de 80 dollars. Il a trois enfants qu'il envoie à l'école. Il faut que ben on a foutu à Kelasi, par exemple, au niveau secondaire. Il faut que, par exemple, ben on a valia. Un salaire à 80 dollars, ça représente absolument rien. Il y a moins d'appels à lui pour interpeller ben des connards sur l'opposition. Au lieu d'organiser des marches, au lieu, par exemple, à côté les mélas, les élections dans les délais, parce que nous allons organiser les élections. Maintenant, au lieu à quoi interpeller, à quoi rappeler la cabine sur l'ango. Pourquoi pas il y a bastigé à Boende à côté les mains ban amboka bazali ko fout ka bazali ba expatrié bazali ko respecter similité to appliquer à moi. Je crois que ce sont des bonnes revendications. Très bien. Merci beaucoup. Bien, par exemple de prendre les maman ya batou, bo utiliser maman ya plus de 60 ans d'âge, bo utiliser à fin moi si à chef de l'État. Ce sont des Bolini maman Marie Makasi. Merci beaucoup. Abed, on n'a pas de l'opposition père Vigiste. Il y a qu'on s'est servi d'exemple. Très bien. Abed, est-ce que ce n'est pas l'État congolais qui doit prêcher par l'exemple aujourd'hui? Il y a moura bandanam qu'on fout honorablement ba fonctionnaire. Tant que moutan ou taliban na yebi kena RDC ba fouta ba fonctionnaire na monta oyo, il y a peur aux olikolo ya qu'on avance pour na kote ya qu'on fouta ba congolais na monta moko yeko sala honorable. Certainement, certainement, mon cher ami. Vous savez, na Congo, fonctionnaire a sa valeur te. Bango, Union sacrée IDPS. Bah, prona qui réduction, il y a 30 de vieilles institutions. Mais aujourd'hui, la population congolaise était étonnée d'apprendre que Moutoune Jean-Marc Kaboum a 120 000 dollars. Et bon, on a combien? C'est-à-dire, bon, on a faire voir à Bissot que bazo changer pratique, ba pratique habituelle, les acquis là. Or, bon, on a une pratique. Et puis, à l'obélo, comment est-ce que ça a été passé? Et ça, il y a un thème passé. Les noms sont qui escroqueraient à Beni Ram. Ceux qui les noms Ram, ils allaient sous-souter, c'est parce que l'opposition a fait pression. N'a pas de la société civile. Est-ce que tu crois que c'est qui m'a beau? Bah, il y a un bon mbongo. Maman, mon roi, mon col, il y a une république, il y a un enganagé, Kakuna, a tiré moi une unité, il y a un pou, bah, qu'est-ce qui est. Bon, on est le sujet du jour. Non, maître Bosco. Avancez. À l'obique, opposition, ça, là, de l'autre côté, le fait, il y a qu'on condamner ouvertement Ram, il y a qu'on exiger retrait à Ram. Et ça, qu'on a laissé ma peuple était. Et puis, il y a une inspection et un travail. Non, il faut des bateaux baza victimes. Il y a un traitement. Il y a un bateau baza 50 000, 40 000, 9 000. Non, inspection. Il y a une inspection. Il faut inspecter et descendre sur le terrain. Voilà un travailleur qui est victime voilà, d'une injustice. Aille vous voir. Non, vous devez descendre sur le terrain, voir les conditions dans lesquelles nos compatriotes travaillent. Et puis apporter les rapports. S'il faut s'autosaisir, il faut s'autosaisir.
Monsieur, qu'est-ce que vous dites là? Non, je vous rappelle que je suis juriste en formation. On a quand même la matière. Pas juriste de formation, mais juriste en formation. Très bien, maître Bosco Mutombo, les juristes en formation vous dit que basa ko se battre pour na ba congolais kasi lelo oyo la dernière nazo pesa mino soko maloba ya suka de manière que to conclure na émission na biso peut-être comme bongo na suka. Quelle est la procédure, parce que vous allez bongo juriste, quelle est la procédure ya moto oyo azali na ba droit na yete na niveau ya mosala smig ezali respecté te procédure ezali nini pour na arriver à kozwa ba droit na ye? Merci beaucoup. D'ailleurs je suis très content parce que je suis en face de mon étudiant. Moi, je suis enseignant à l'université. Je ne vous connais pas. Voilà, on ne fera pas cette guerre-là sur ce plateau. Aussi une chose. Revenons à la matière. Je l'encourage pour son courage. Je pense que si tu ne me connais pas, tu vas me connaître. Pour le courage, hein, c'est bien. D'ailleurs, cours OYO, législation sociale, droit du travail, ce sont des cours que je donne et que je maîtrise aussi très bien. Mais que vous n'appliquez pas dans l'Union sacrée. Non, non, je voulais aussi dire ceci. Moi, je ne peux pas être content parce que je trouve un Congolais à mal payé. Parce qu'il faut respecter la rémunération. Parce que tant que vous avez la rémunération, ils allaient ensemble, il y a un salaire, un avantage, il faut montrer à se sentir que vraiment je travaille. D'ailleurs, même un bon coût de l'État, le BIP, il faut monter à 150 dollars, 130 dollars. Quand est un salaire? Il y a trop d'avantages au salaire dans la société, dans la bicycle, dans tout le travail. Très bien, allons maintenant à la procédure. J'aimerais bien que vous puissiez parler de la procédure. Je vais arriver là-bas. Je voulais éclairer Bande Konabiso, ministre, il y a travail. Salam Moussala Nayo, pour que moi, dans le Congo, je sois sourire. Salam Moussala Nayo. Lucas. Et une fois j'ai suivi le ministre, il s'est inspecté le travail de Bazamouké. Il dit, pourquoi ça va inspecter là-bas comme Ebélé? Est-ce qu'il faut Dieu a quitté? Parce que ça, dans le ministère, il faut maintenant que le plan pour que vous avez inspecté Ebélé, ça va contrôler. Oh, il y a Mouké, Bazawana. Parce que la mentalité, il y a un régime, il y a Kala. Ce qu'on a dit, il faut enveloppe pour Bima, tout ça, et vous sacrifiez Bande Konabino. C'est pourquoi j'ai envie de dire ceci. La Sengi, Bande Konabiso, Baza préjudicié. Pour que dans le domaine où on a travail, procédure aux 5 ans des années. Tant que vous avez dit que vous avez mal à mouté. 30 secondes. Vous avez dit que vous avez un transport, vous avez un droit de vous faire un droit de vous faire un justice. Vous saisir un avocat, vous avez un avocat ou une procédure. Avocat ou un avocat, vous avez un quoi faire. Bon, comment vous saisir l'inspecteur et le travail, à quoi vous avez l'inspection, à convoquer nani employeur à quoi. Parce que tant que vous avez bien travail, vous avez des sortes de travailleurs. Vous avez des travailleurs, vous avez des employés, et nous avons aussi les ouvriers. Vous comprenez? Employés, vous avez des travailleurs, vous avez des travailleurs, vous avez des travailleurs intellectuels. Mais l'ouvrier, Azali travaille à Salaka, travaille manuel, travaille à Mabo. Mais bango non soit dans le travail. Ce qu'on a fait, c'est que le Bikaza travaille. Un travailleur a monté à signer un contrat et travail. Très bien. Vous allez voir que plusieurs personnes ont besoin de travail. Merci. Parce que quand on a comme bâti, maintenant, ce qu'on a fait, revendiquer. Mais il faut bailler baké, en matière de travail, nous avons un contrat à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée. Nous allons en parler prochainement. Nous allons parler de ces contrats. Oui, nous allons apporter ça aux Congolais prochainement. Prenons maître Cédric. Merci beaucoup. On doit dire merci. Maître Cédric, Nakanisi Ndeko Bosco Mutombo. Maître Bosco a fait ses procédures, il faut trouver un avocat, il faut trouver quelqu'un de commun, un inspecteur, il y a travail, tout ça. Oui, alors, je reviens à vous, s'il vous plaît. Okay. Mais ceux qui ont commis un niveau, ok, inspecteur, il y a travail, peut aller, a bien ici, peut employer, mais employer à corrompre inspecteur. Procédure à ce niveau-là, ils allaient dans les ok. Bon, mon éco journaliste, Bissot, dans la science juridique, Tolobaka, et le Komoko, mon juge Azaka Roate. Hein, chaque raison pour laquelle vous verrez dans les normes juridiques on a toujours instauré un système où quand vous condamné au premier degré vous avez la possibilité non sort il y a quoi interjeter appel okay. Ou soit il y a quoi ça l'opposition vis-à-vis la décision où ils ont rendu
et si ka oza la ki natif na zaki inférieur et que autre wana parlant tu dis quoi na lobi na obwe tango olobi ke bande ko wana par exemple ba saisir tribunal de travail et que ba rebi ba zongi si ba nguna na ba droit na ba droit na ba ngote ba corrompre par exemple juge wana oza la ki na dossier sur la table. Il y a plusieurs mécanismes où il y a des possibilités où bakoki parce que bisou dans la science juridique tant dans lobby n'ok juge azaroité il y a des possibilités à corriger magistrat il y a des possibilités par exemple si vous sentez qu'il y a des soupçons il y a par exemple la cause moko ya corruption là dedans il y a toujours la loi a mis des mécanismes en place. Je reviens par rapport à ce que ndeko aouti okoloba na biloko ya contrat de travail. Dans notre société, tu as dit qu'on reconnaît même contrat de travail où ça d'une manière verbale, où ça écrit, parce que osan abo inon akatanda. C'est déjà un contrat, il est en train de travailler chez toi. Merci. Tu devais le payer. Na kei ni sous nelo ko o ndeko na nga ya. Émission Esili. Ndeko na nga aussi ko lo ba. Bon Mati, pendant que émission Esili, je comprends que ce sujet est bougé un peu bande ko pona ko beta masolo parce que ça touche presque tout le monde. Émission Esili, je vais donner quelques secondes de paix ndeko Abed rapidement. Est-ce que na bo nyoso bande ko balobi, j'aimerais bien que vous puissiez parler maintenant sur la confiance qu'il faut faire à notre justice. Vous savez, entre les pauvres et les riches, entre l'employé et l'employeur. Vous savez, cher ami, lorsqu'on parle de l'état des droits, on voit quatre choses, quatre principes. La hiérarchie des normes, l'égalité des citoyens, l'indépendance de la justice. Parce qu'au Congo, la justice n'est pas indépendante, la justice est instrumentalisée. Non, c'est faux. Et les citoyens ne sont pas égaux. Comment est-ce possible? Nous chitons déjà. Comment est-ce possible que la première dame puisse intimer l'ordre à un général de police de lui amener une prévenue ou un prévenu. C'était une demande. Elle avait juste fait une demande. J'avais suivi la première dame. On ne va pas s'éterniser là-dedans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Émission Esili. On n'a plus. Attendez. S'il vous plaît. Émission Esili, laissez-moi désannoncer. Merci. Merci, émission Esili. Merci beaucoup, Nabino Nyonso, Bolanda Kibiso. Merci à l'équipe technique. Merci à tous les dirigeants de notre chaîne. Nous étions aussi assistés par caméraman Bundi Mosala Makasi Yakosala Awa. Merci beaucoup, Nabili Kinkela, qui nous a aussi assistés. Merci et bye. On se retrouve demain à la même heure, même chaîne. C'est pour ton mot. J'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Koloesi. L'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La commission était, yo j'ai lu sur un peuple. Au ministre armé, au ministre par l'institution et le pays. Je vous dis la vérité. Même les robes à cause de ma femme, à sommer le café, qu'il sache bien qu'à comme le café en été après demain. Naouti ko sambe la nzambe, naouti église. A koko se la mouto makambote. La terre a parlé de sambe, et si on sort dans ce pays, on sort dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor pour venir si bon à l'État avec autant de légèreté. Fais pas interpeller au pays. Il y a pas la preuve. On peut encore là. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Kabila est battu, c'est Batika et Kimia. Et comme il a 200 000, après moi j'acclame. Non. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Je suis venu à la commune avant de dire.